Bonjour à tous les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur une Jojo Story. La 14e, voilà la 14e, qui sera aujourd'hui sur William Antonio Zeppeli. Et oui, Zeppeli les amis, vous savez très bien qui c'est Zeppeli. Si vous connaissez Jojo, vous savez très bien qui c'est. Voilà, bon, il n'y en a pas qu'un seul Zeppeli évidemment. Il y en a plusieurs. Mais ce Zeppeli là, c'est le tout premier, le premier des premiers. Voilà, William Antonio Zeppeli. Apparition partie 1 Phantom Blood, c'est le professeur d'onde de Jonathan Joestar. Zeppeli apprit à manier les techniques de l'onde au Tibet. Il enseigna le maniement de l'onde à Jonathan et affronta Dio à ses côtés. Mortellement blessé lors d'un combat contre Tarukus, il transmit son énergie vitale à Jonathan avec Deep Pass Overdrive et mourut en héros. Il s'est fait couper en deux par Tarukus. Voilà, donc c'est comme ça qu'il est mort et puis il a donné sa force à Jonathan. Pour vaincre Dio. Né dans une famille d'érudits italiens, William Antonio Zeppeli intégra très tôt l'équipe d'archéologues de son père. Alors qu'il ramenait le masque de pierre du Mexique, son père essaya de mettre le masque, il fut aussitôt transformé en vampire et tua toute son équipe. Alors qu'il s'enfuyait, Zeppeli aperçut son père s'exposer à la lumière du soleil et se changer en poussière. Il eut un fils Mario et un petit-fils César, son deuxième prénom est Antonio. Oui, donc César qui est le nouveau Zeppeli de la partie 2, mais ça on verra ça dans la partie 2, hein. Plus tard on verra ça plus tard quoi. Voilà, du coup Zeppeli, voilà, il a eu un fils et puis Mario, enfin il a eu un fils qui s'appelle Mario et Mario lui a fait un fils qui s'appelle César. Mario d'ailleurs on en parle dans la partie 2 un peu, enfin bref, voilà. Du coup, son père qui a voulu utiliser le masque de pierre, ça a détruit tout son équipage. Mais Zeppeli a réussi à se sauver à temps. Et son père, il l'a vu mourir à cause du soleil, puisque c'était un vampire avec le masque de pierre. Et du coup, c'est pour ça qu'il veut... C'est pour ça que Zeppeli, maintenant, veut détruire tous les masques de pierre dans le monde. Voilà. Bon, malheureusement, il n'a pas vraiment réussi. Enfin... C'est celui qui l'a cassé, c'est le masque de pierre qui avait Dio, c'était Speedwagon. Il a réussi à le casser, mais c'était pas le seul. Voilà. Mais Zeppeli a quand même été d'une grande aide. Donc on aime Zeppeli. On aime Zeppeli, oui on aime Zeppeli. Du coup maintenant, on va pouvoir commencer le combat avec Zeppeli. Voilà les amis, du coup on joue Zeppeli aujourd'hui. Bon, voilà, une pose très, très étrange, mais bon voilà, c'est le but de Jojo hein. Et d'ailleurs regardez ouais. Non attendez. Non non, je sais plus c'est quoi. Je sais plus s'il fait. Bon, on va essayer les techniques. Vous. Alors, Uncutter ou Hamon Cutter. Hamon Cutter. Voilà, donc il jette des bulles de. Enfin, des. Enfin, il fait des. Avec des gouttes de vin, il arrive à faire des trucs coupants. Avec son onde. Qu'est-ce que vous faites? Alors là, on a. Tornado Overdrive que j'ai pas réussi. Oh. Ah, j'arrive pas à faire le tornado. Bon, là vous avez vu Sunlight Yellow Overdrive. Toi viens là. C'est bizarre ça. Non, par ici. Comment ça se fait que... Après un saut, appuyez sur rond pour tomber. Ah, d'accord. Je comprends mieux pourquoi ça veut pas. Hein. Mais qu'est-ce que tu fais? Viens là. Aïe, ah, en plus il m'a touché là. Salaud.
Voilà, donc Corneille dit Overdrive. Et la triangle, comment on l'a fait celle-là? Ah, ce question à la fois d'accord. Permet de charger sur d'autres personnages. Les actions suivantes sont possibles pendant une charge. Quel saut! Ah, R2 plus X. Non. Merde. Allez, viens là. On va faire la respiration ondulatoire. C'est tout sinon. J'ai pas voulu faire ce que je voulais. Oh non, foiré, il a compris. T'es sérieux là, mec? Salaud, il a compris, genre comment. Il a eu le temps de compter, l'enfoiré. Et toi, c'est maintenant que tu veux faire un combo, toi. Non. C'est tout ce que ça a fait. Oh, c'est chiant. Lui, il est mort. On va pas avec la poutre. Qu'est-ce qu'il fait? Ça va bien, hein? Voilà, ça dégage. Bon, on a l'ultime. Ah, il a recommencé à faire un transfert d'âme. Ah, il se dégage. Voilà. Ça dégage. Voilà, les amis. Donc c'est ça le Hamon Cutter là, c'est ce qu'il est en train de faire justement Zebelik. Du coup les amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo sur Jojo's Bizarre Adventure, Rise of Heaven. Et on se retrouve la prochaine fois pour la nouvelle Jojo Story sur un autre personnage. A plus.